Et bonjour, donc dimanche 25 ou 26 septembre 2022, plus ou moins 6 h du matin, je peux regarder exactement l'heure. Donc ça y est, la lune est noire, elle n'est plus là. Ah, pour le coup, les étoiles sont très nombreuses. Et dommage que l'appareil photo ne capte pas, capte mal, ce qui n'est pas si lumineux. Bref. On s'assoit le bassin caméra à l'arrière. Dans un environnement avec pénombre ou faible lumière. Ça peut aider. Assis ou en position lotus. Voilà, nous laissons le corps respirer. Bailler peut-être, tousser peut-être. Les larmes couler peut-être. Un coq au loin à droite. Chante alors que le soleil n'est même pas là. Nous laissons le corps respirer, bailler peut-être, tousser peut-être, les larmes couler peut-être. Et les énergies circuler librement, naturellement. Tandis qu'à nouveau, comme tous les matins quand je fais ça dehors, je suis rejoint par Blackie Kaplan. 7 mois, l'un et l'autre. Il s'installe à mes pieds, qui sont croisés. Il a laissé le corps respirer. Bailler peut-être, tousser peut-être, les larmes couler peut-être. Nous laissons le corps se poser sur la chaise, le dos droit, la tête qui se repose, qui se pose sur les épaules qui peuvent se relâcher. Ainsi que les bras, les mains sur les cuisses. La nuque est détendue. Le corps s'ouvre aux solutions, aux informations, à l'inspiration. Détendu. Le corps s'ouvre à la vitalité, à la clarté, au bien-être, à la santé, à toutes sortes de libérations. Consciente, non consciente. Le corps respirer, bailler peut-être, tousser peut-être,
Elle a recoulé peut-être. Et les énergies de circuler librement, naturellement, dans le dos, par le dos. Aujourd'hui, je sens le corps lourd. Et je baille beaucoup. Je me sens encore respirer. Baillez peut-être, touchez peut-être. Les larmes coulaient peut-être. Et l'énergie de circuler librement, naturellement, dans le corps. Le premier aspect de cette méditation, c'est vraiment de permettre au corps de se détendre naturellement. En même temps, de laisser le corps s'ouvrir à la vitalité, à la clarté, au bien-être, à la santé. Permettre au corps, et notamment à la conscience, s'ouvrir aux informations, aux solutions. À l'inspiration. Il n'y a rien à faire, rien à ne pas faire. Laissez faire. Le corps, les énergies, la conscience. Et ce qui est plus grand que soi, que l'on appelle Dieu. La source, l'infinité. Voilà le chien au lointain qui aboie. Tandis que la fraîcheur qui environne se fait sentir sur les visages. Et un âne de brère au loin à droite. Voilà, nous laissons encore respirer. Baillez peut-être, touchez peut-être. Nous prenons conscience d'être la conscience consciente. La conscience qui perçoit à travers le corps, par le corps. La conscience qui existe. Avec des sensations ou dans l'absence de sensations, avec des émotions ou en l'absence d'émotions, avec des pensées, un dialogue interne fort et intense ou au contraire calme, plat, silencieux. Et pour ceux qui doutent, la conscience puisse exister indépendamment du corps. Il suffit d'aller interroger les personnes qui sont dans un corps paralysé à 90-95%.
qui se retrouve dans une sorte de prison physique, communiquant avec un petit doigt ou avec les paupières par oui, par non. Voilà. Nous prenons conscience d'être conscience consciente dans le corps, à travers le corps. La conscience qui perçoit, observatrice, témoin de ce qui se passe en soi, autour de soi. Voilà, revenez à la conscience consciente. Revenez conscientiser d'être l'état témoin, la conscience témoin. Qui observe les pensées, les sensations, les émotions. Et comme dirait le docteur Joe Dispenza, devenez plus cela, le témoin, et moins vous, le corps, l'identité. Mieux vous développez le témoin, mieux vous pouvez percevoir le cheminement des pensées, décoder les émotions sans vous faire prendre par l'intensité. Décoder ce qui se passe dans le corps depuis la détente, le calme, la paix profonde à intense, jusqu'au moment où le corps devient tendu, stressé, intensément, moyennement, faiblement. Et une façon de prendre le contrôle, de pouvoir intervenir, et justement de sortir du personnage des intensités. Et pour cela, il est nécessaire de prendre conscience, d'être conscience consciente. D'être conscience observatrice, témoin des sensations, des émotions, des pensées ou du dialogue interne, des sons qui se passent autour de soi, de la luminosité derrière les paupières, des sensations sur la peau, observer sa respiration. Voilà, pour quelques instants, quelques minutes. Devenez plus cela, le témoin, et moins vous, le personnage. À partir du témoin, percevez
Quelles sont les zones du corps qui sont tendues? Dans quelle mesure le corps est tendu? Dans quelle mesure le corps peut être stressé et qui vous coupe des émotions, des sensations, de la clarté d'esprit. Et aussi prenez conscience. Alors prenez conscience des zones détendues. Hello Mathieu. Et nous prenons conscience de la conscience, d'être une conscience consciente, témoin de ce qui se passe en soi, autour de soi. Observatrice des tensions, du stress, des jeux d'émotions, de pensées ou de sensations, de la plus désagréable, douloureuse, à la plus tranquille, agréable, plaisante. Voilà, devenez conscientiser d'être témoin, à l'état témoin, devenir plus cela le témoin et moins vous, le corps, le personnage, l'émotion. Prenez conscience de la détente dans le corps. Quelle partie du corps est détendue? Un peu, moyennement, plus fortement. Pour ma part, si les épaules sont relâchées, le dos, le ventre qui se pose, qui respire, et les bras qui sont posés sur mes cuisses, même la tête se pose tranquillement sur les épaules, en même temps que le corps est ouvert à la vitalité, à la clarté, au bien-être. Une certaine force intérieure, présence, qui fait que le dos est droit, bien que détendu.
prenant conscience de ta conscience consciente. La conscience consciente qui peut se poser dans le corps, dans la zone détendue. Et poser dans le corps, dans la zone détendue. Prendre conscience ici, en tant que conscience. Nous sommes aussi détendus au contraire. En tant que conscience, nous sommes tendus. Stressés. Non, je ne suis pas un incantateur, Mathieu. Non, j'ai pas encore vécu la plénitude. J'ai eu vécu des états d'amour instance, l'amour naturel. À divin intense, idem pour la gratitude, l'état de gratitude XXL, pour vivre la plénitude, la paix. Pour arriver non seulement à se dégager du personnage, c'est-à-dire de nos identifications, et ensuite il faut arriver à laisser, à renoncer quelque part aux émotions pour s'ouvrir simplement à l'état de paix intérieure. Et pour renoncer aux émotions, il est nécessaire de libérer tous les boutons émotionnels, tout ce qui nous incite, qui nous, qu'on appelle ça, qui nous rend dépendants à des films, documentaires, aux informations, etc. C'est pour cela que la paix est difficile à atteindre. Parce que notre corps est porteur de toutes nos mémoires. Et donc tout cet aspect d'attachement conscient à non conscient vis-à-vis de l'extérieur. Ou de l'intérieur, par exemple, le degré qui est le drogué, qui est attaché au plaisir et qui court après l'homme. Son shoot, l'alcoolique qui court après l'alcool, etc. C'est pour cela que la méditation que je fais là actuellement, que je partage, c'est pour apprendre à qui veut à sortir un peu moyennement beaucoup du personnage, à conscientiser dans une conscience consciente, à remonter un cran au-dessus à l'état témoin, pour justement devenir capable d'observer les fonctionnements internes, les addictions au plaisir, les attachements à la douleur, la fuite des émotions, ou l'attachement à des fonctionnements émotionnels, décoder, observer les pensées, le dialogue interne, voir s'il est positif,
ou à contrario négatif, qui limite, pénalise, restreint sa vitalité, sa santé, sa capacité de créer, de produire. Et pour ceux qui regardent en replay, qui ont déjà installé, laissez le corps respirer, bâiller, pousser peut-être, qui sont remontés à l'état témoin, qui ont perçu les tensions du corps, mais aussi la détente, et qui en étaient avant que je fasse une sortie un peu de route. À observer, décoder, reconnaître, c'est en tant que conscience consciente qui se pose dans le corps, une partie du corps détendu, c'est en tant que conscience je suis plutôt détendu ou plutôt tendu, c'est en tant que conscience je peux me détendre à mon tour. Accepter de me relâcher à mon tour. C'est d'ailleurs l'occasion d'observer, conscientiser qu'on peut être détendu physiquement et stressé en tant que conscience. Ce qui nous indique que corps et conscience peuvent être séparés à des niveaux plus ou moins forts, intenses. Et dans l'idéal, la méditation, dans son origine, un peu la mienne, mais dans son origine, son fonctionnement de base, c'est cela. Et arriver à détendre le corps, pour être présent à l'extérieur, de arriver à relâcher le corps, la conscience, ou justement s'unifier au corps et devenir toujours plus présent à ce qui est, accepter ce qui est, accepter son histoire, son vécu, son quotidien, accepter son entourage, accepter son environnement. Et par rapport à la plénitude, mieux on arrive à accepter, à cesser de lutter contre ce qui est en soi, à l'extérieur de soi, mieux on peut s'ouvrir à la paix, expérimenter la paix. Mieux on accepte et moins il y a de boutons qui nous font réagir, qui nous mettent en stress, en colère, déclenchent des peurs. Déclenchent du dégoût, si je fais le lien aux explications de hier. Lorsqu'on est dans le mépris, par exemple, on est dans cette notion de moi supérieur à eux, donc une notion de séparation, de rejet, de refus.
et être accepté, être paisible. Et une incompréhension, à défaut de dire la lutte contre l'état paisible, la plénitude, le fait de s'attacher aux émotions, ça présume que si je suis dans la paix, je deviendrai une sorte de zombie shooté. Sans énergie, qui ne travaille pas, qui ne peut plus bouger, qui ne peut plus réfléchir, etc. Alors que, bien au contraire, lorsqu'on est dans la paix, du coup, la vitalité circule librement. Lorsque je suis dans la paix, il devient facile de s'ouvrir à l'inspiration, aux solutions, aux informations qui me permettent de réaliser toutes les activités du quotidien à d'autres plus sophistiquées, plus pointues. La paix nous ouvre à l'amour lui-même. Peut nous ouvrir à l'extase, à la curiosité, à la joie, à toutes ces émotions qui sont, comme je le disais hier dans la deuxième vidéo, des gradualités qui émanent de l'amour, pour le coup. Et une des clés pour atteindre, ou en tout cas vivre la paix, c'est de conscientiser de mieux en mieux que nous sommes une conscience consciente dans le corps. Et peut-être postulat que je propose, une conscience énergétique aimante spirituelle, qui s'incarne dans le corps. C'est pour ça que nous pouvons observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Que ce soit au niveau sensoriel, émotionnel, psychique ou spirituel. Car même dans les états de positivité XXL, autrement dit d'extase, de jouissance, d'exaltation. Il faut savoir rester dans le témoin, à la fois celui qui expérimente ces états intenses d'énergie positive, et en même temps dans le témoin pour pouvoir maîtriser, savoir canaliser si nécessaire ces états-là. Et ce qui est vrai pour l'extase, l'exaltation, c'est vrai aussi pour l'autre versant, la souffrance, la douleur, le désespoir. Mieux on entre dans la conscience consciente, au niveau témoin, mieux il devient alors capable de choisir, décider, trouver solution. Pour quitter toutes ces expériences
négative à intense, faible, moyenne à intense. Et là, on va aller entrer dans la deuxième partie de la méditation, puisque le chrono tourne. Et à chaque fois, je me fais un peu surprendre par le chrono. Tandis que nous sommes la conscience consciente. Je peux constater, reconnaître, conscientiser, accepter. Être je. Je suis je. Le jeu de j'existe, indépendamment du corps, des sensations, des émotions, des pensées. Voilà, je suis je. Le jeu qui peut choisir, décider. Ultimement, au cœur des tempêtes de souffrance, de douleur, de déprime, de tristesse, de colère, de rancune et compagnie. Je peux choisir de me libérer de tous les attachements, de toutes les expériences. Douloureuse, souffrante, limitative, pénalisante, simplement parce que je conscientise que je suis je, le je qui perçoit, je de j'existe. Malgré le corps, malgré les sensations, les émotions et les pensées. Le jeu de jeu choisi. Le jeu décide. D'explorer, étudier, expérimenter, spirituel. Où je choisis, je décide d'ignorer, d'oublier, de réfuter le réel spirituel. Avec les conséquences qui vont avec. Je choisis, je décide de me défaire de tous les boutons émotionnels qui me font qui créent de l'attachement à des souffrances, à des plaisirs inutiles, à des situations toujours les mêmes, qui stressent. Les claquements de doigts, c'est pour me repérer quand je fais le montage de la vidéo, pour couper tous les claquements de gorge et autres tout. Voilà, nous prenons conscience, consciente. Nous prenons conscience d'être une conscience consciente. Qui observe tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ou à l'extérieur et à l'extérieur de soi. La luminosité derrière les paupières. Les bruits ou le silence dans la pièce. Température de l'air sur la peau. Sensation des vêtements sur la peau. Le poids du corps, sa position. Etc. Et depuis la conscience consciente. Un pas de plus vers le témoin.
prend conscience de l'état témoin, qui n'est pas une dissociation, mais plutôt le fait de revenir à la nature de notre conscience. Voilà. Mieux je deviens témoin, mieux je retourne à ma nature de conscience qui observe, qui est présente partout. La même nature de conscience qui me permet d'être je, de savoir que je suis je. Je suis. J'existe. Je choisis. Je décide. J'agis. Justement, pour pouvoir prendre, maîtriser sa vie, pour pouvoir se libérer des injonctions de la société, de la famille, des magazines, des médias et compagnie. Pour sortir, décider de se libérer des conditionnements pareil. Pour y parvenir, il faut conscientiser d'être une conscience consciente, non conditionnée, qui peut observer, être témoin des conditionnements de mon fonctionnement au travail, à l'école, dans la rue, en famille. À partir de l'observation de comment je fonctionne, quels sont mes fonctionnements. Je suis je et je choisis, je décide, j'agis, soit pour garder, rester conditionné, fonctionner à partir des injonctions venues de l'extérieur. Les médias, la famille, les professeurs, les livres, les vidéos, toutes les informations qui peuvent nous conditionner, nous imposer des injonctions, parfois utiles. Comme être honnête, éthique, moral, bienveillant, et d'autres moins fun comme obéir, ne pas se rebeller, ne pas remettre en question la culture actuelle, le conditionnement, ce que dit le gouvernement, ce que dit la société, etc. Et tout cela passe par devenir la conscience consciente, ensuite devenir, ou plutôt remonter à l'observateur, au témoin de ce qui se passe dans le corps, dans la conscience, à l'extérieur. Pour finalement conscientiser je suis je, de j'agis, je choisis, je décide, j'existe, je suis je. Et tranquillement, nous allons nous préparer à revenir au quotidien.
On prend contact avec le corps, c'est-à-dire bouger les doigts tranquillement, doigts de main, doigts de pied. Tranquillement. Levez les bras pour s'étirer, droite à gauche ou vers le plafond. Prends une respiration en même temps que je reste en contact. Dans le fait d'être une conscience consciente qui choisit, qui décide pour le coup de s'étirer. D'inspirer en conscience. En conscience de bouger les pieds, doigts de pied. Et voir qu'est-ce que ça fait d'agir en conscience et non plus en mode robot conditionné automatique. Pour le quart d'heure, l'heure en cours. Vraiment, je vous invite, pourquoi pas, à bouger vous déplacer en conscience. Mettre de l'eau dans la casserole en conscience. Chauffer l'eau pour le café ou le thé ou le chocolat en conscience. Un chien qui aboie au loin. En conscience, peut-être préparer des tartines de beurre, récupérer des gâteaux ou pas. Simplement boire son café en conscience, son thé en conscience. Qu'est-ce que ça fait quand je suis avec le corps, dans le corps? Quand j'agis, je choisis, je décide, j'agis et je bouge en conscience. Et non plus d'une façon automatique. Voilà pour le quart d'heure, pour l'heure en cours. Expérimentez cela. Et Mathieu et à toutes les personnes en replay, je vous dis... À demain matin, 6h. Si cela vous dit, avant d'aller au travail, avant d'aller à vos activités externes, de vivre l'expérience méditative pour apprendre à déstresser naturellement, de pourquoi pas apprendre à vous déconditionner naturellement. Avec un caplan qui monte sur les jambes, qui a froid, hein, qui sent la fraîcheur sur le dos, qui cherche un peu de chaleur. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent dimanche. Il peut être un jour de marché, donc c'est l'occasion de prendre, d'aller faire un tour dehors. Que ce soit le marché standard ou les puces. Le dimanche, c'est aussi le jour du cinéma. À une époque, c'était mon jour de cinéma. À ce moment, c'est beaucoup moins, entre autres parce qu'il y a beaucoup moins de films qui m'intéressent. Bref. Excellent dimanche, bisous à vous et pensez rester pour l'heure en cours en mode conscient, consciente.
conscient de se lever, de bouger, de boire le café en conscience, manger un fruit en conscience ou un gâteau ou une tartine au beurre en conscience. Et voyez ce qui est nouveau et différent que de faire ça en automatique. Sur ce, ciao ciao. Ciao ciao Mathieu.